Bon matin les amis, bon matin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va un petit peu voir les énergies pour commencer la semaine, donc pour ce lundi. Et nous allons voir un petit peu ce qu'il va se passer. On va commencer à m'envoyer des jeux, donc, enfin je vais commencer à recevoir les jeux plutôt. Donc je vais pouvoir commencer à vous les envoyer les amis. Oui, je sais, j'ai pas encore répondu à tout le monde, mais voilà. Ça va. La majorité des cartons, des enveloppes sont faites. Et donc, ben voilà. Ça va commencer à s'envoler. Je ne l'ai pas encore reçu. Hein. De toute façon, je ferai l'ouverture du premier carton avec vous. Donc, vous saurez quand je les reçois exactement. Bon, on va y aller avec l'oracle de Sceaux pour l'énergie de la journée aujourd'hui. Et puis, bah, j'ai pris ce Lenormand 6, c'est un Lenormand que j'utilise assez souvent. C'est un Lenormand très très vintage, que j'adore évidemment, comme les Lenormand vintage que j'ai acheté sur Etsy. Voilà. Alors. On y va. Pour les énergies de cette semaine, on se concentre. J'espère que vous avez bien dormi. Oups, des cartes qui tombent, mais ne sont pas tombées. Mon micro est allumé. Pas maquillé. On s'en fout. C'est le matin. Bon, j'espère que le week-end a bien été pour vous, que vous avez passé vraiment de bons moments. Et nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour cette journée, les énergies donc qui vont être dans cette journée. Un paquet est tombé, on va couper. C'est un personnage, donc c'est un monsieur âgé. On va prendre la suivante, d'accord? Ah ben voilà, écoutez, ça peut être un monsieur âgé qui nous protège ici. Donc un monsieur âgé qui nous protège. Donc aujourd'hui, vous allez recevoir des énergies. Ça peut être une personne vivante ou une personne décédée, mais une personne âgée. Moi, je dis âgée, c'est vrai que je crois que j'ai mis 65 ans et plus dans les personnes âgées, dans ma définition, mais en fait, c'est vraiment pas assez âgé. Donc moi, je dirais, franchement, âgé, c'est 75. Oui, moi je veux dire autour des 75 et plus. Là, je peux dire que c'est âgé. Parce que je me rends compte que 65, c'est pas quand même âgé, âgé pour ce que moi, selon ma définition. Donc je sais que j'ai noté ça dans les cartes que je n'ai pas sous la main. Si, non. Que je n'ai pas sous la main. Et ce sera dans les définitions, mais considérer 10 ans de plus pour les personnes âgées. Donc voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, c'est un monsieur, mais ça peut être aussi votre papa, ça peut être aussi. C'est comme vous le ressentez en fait. C'est comme vous le ressentez. En tout cas, une personne vous protège déjà. Alors aussi, avec cette bougie, la bougie de protection, elle va. La bougie, avec cette carte qui représente les bougies et le pentacle que je n'ai pas sous la main, j'en ai un fait un mois, je sais plus où je l'ai mis. D'ailleurs, il est là, bas, derrière. Je sais pas si vous le voyez. À côté de la planche Ouija. Donc, c'est un symbole vraiment de. Donc, cette journée va être pour vous une journée où vous allez, alors, soit vous sentir protégé, soit peut-être que vous allez demander aussi. La protection, ça va être peut-être aussi dire. Le fait de demander. Je vais dire entre guillemets, hein, on ne dit plus ça, mais on va demander la bénédiction, on va demander à quelqu'un son avis. Voilà. Et vous allez demander l'avis de quelqu'un, on va dire de votre papa peut-être. Et je pense que cet avis, qui doit être pour vous un avis probablement favorable, va vous aider à vous donner ça peut être un homme ou une femme, hein, la protection. Ici, j'ai tiré ceci parce que ça peut vous parler à vous, mais en général, ça peut être aussi une autre personne qu'un homme. Donc, vous allez peut-être demander l'avis d'une maman, de votre maman, d'une dame ou d'un monsieur, qui pourrait
vous justement vous confortez dans votre idée, vous confortez dans ce que vous allez faire, de ce que vous voulez faire. Vous dirigez peut-être, vous avez envie de... pas de choix ici, hein, mais vous avez peut-être envie de... Vous devez faire un choix. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Les conseils ne sont pas les meilleurs, ne l'oublions jamais. Mais peut-être qu'avec l'aval de vos parents, de votre frère, de votre sœur, de vos enfants, peu importe, ou simplement de demander à quelqu'un qui est plus âgé, qui a de l'expérience, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille ou pas, ça peut être quelqu'un de vivant ou pas, et je pense que vous allez vraiment vous sentir protégé. En tous les cas, si vous hésitez par rapport à quelque chose qui doit se passer certainement aujourd'hui, ou on va vous demander aujourd'hui quelque chose et vous allez devoir prendre des décisions, des choix, des chemins, par rapport à n'importe quoi, hein, financier, par rapport au travail, par rapport à la vie active, la vie professionnelle, la vie active, la vie sentimentale, la vie amoureuse, peu importe, peut-être qu'on va vous demander de faire quelque chose, ou vous allez vous poser des questions par rapport à quelque chose, ou vous devez faire quelque chose. J'ai envie de dire que vous allez être protégé, et faites-le ou ne le faites pas, ça ce n'est pas à moi de le dire, hein, voilà. J'ai plein de trucs en tête, mais je vais pas les dire parce que j'ai trop de trucs en tête. Mais je vais en dire une. Je vais juste en dire une pour vous donner un exemple de ce qu'on pourrait éventuellement... Vous êtes amoureux... Bon, j'ai vraiment inventé. Hein. Enfin, j'invente pas vraiment, mais je ça peut arriver. Donc, vous êtes en couple, vous êtes bien en couple, etc. Mais vous êtes amoureux ou amoureuse d'une autre personne au fond de vous. Que vous savez que ça n'ira jamais parce que ceci, parce que cela. Et peut-être que vous avez envie de contacter cette personne, mais vous n'osez pas parce que, je ne sais pas moi, vous avez peur de vous faire avoir, parce que vous trouvez que ça ne se fait pas, ou ceci ou cela. Bah, j'ai envie de dire, peut-être si ça vous fait du bien, juste de la contacter, et ça c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez par après. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous êtes protégé et vous n'avez rien à craindre, vous ne vous ferez pas attraper, voilà, ça peut être un truc comme ça, d'accord ? Maintenant, ça peut être tout autre chose, évidemment, hein, par rapport... Mais j'ai tellement d'exemples, je ne vais pas vous les donner tous, ça, vous avez très bien compris la signification de cette carte. Par rapport, donc, ça, ça ferait plutôt dans vraiment les énergies de la journée. Si maintenant, peut-être, vous allez avoir... Alors, il n'y a pas du tout de carte qui me parle d'un accident, qui me parle d'un incident. Peut-être un incident dans le sens où verbal, ou peut-être, mais pas d'accident, mais même, admettons, un accrochage, machin. Eh bien, aujourd'hui, vous allez avoir la protection. Il y aura la protection. Donc, il n'y aura rien de grave qui pourrait arriver. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je... je pense, ça, si je n'ai... C'est vraiment en grande ligne, hein, ici. C'est vraiment en grande ligne. Hein. Donc, je pense par rapport aux finances. Les finances, ben, vous êtes protégés aussi. Protégés par rapport à peut-être la protection. Tout simplement, peut-être que vous avez envie d'acheter un truc, mais c'est pas le moment. Donc peut-être que quelqu'un va vous raisonner en disant « Écoute, attends le mois prochain, c'est peut-être plus malin. » C'est ce qu'on devrait me dire à moi, en fait. « T'as dépensé assez ce mois-ci? Attends un petit peu. » Donc voilà, ça peut être ça aussi, une protection. Hein. Ça peut être une grande protection, ça peut être une petite protection, mais qui a son importance. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez très bien compris qu'aujourd'hui, vous allez être protégés, les amis. Bon, alors, pour l'amour, on va prendre pour l'amour. Bon, je sais pas, on va essayer avec le normand pour l'amour, on va voir ce que ça donne. Mes amis, la carte de la journée, c'est la carte de l'anneau. La carte de l'anneau qui va nous dire, ben évidemment, ça va nous parler très très positif, hein, évidemment, ça va nous parler de mariage, donc de mariage, d'association, de rencontre éventuellement, une rencontre amoureuse, en tous les cas, oui, ça parle vraiment
ça parle de couple en tous les cas. Donc si vous êtes seul, ben, peut-être qu'aujourd'hui vous allez rencontrer une personne, peut-être qu'aujourd'hui vous allez avancer dans le chemin, parce que c'est pas parce que je tire la carte de l'anneau que vous êtes célibataire qu'aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un, évidemment, mais les énergies vont être là. Donc les énergies aujourd'hui vont vraiment être dans le sens où vous êtes seul, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, eh bien, croyez-y, parce que soit vous allez rencontrer la personne aujourd'hui, soit vous allez, par l'intermédiaire, vous rencontrer une personne qui pourra, peut-être dans une semaine, ou un peu, ou dans 2 jours, ou dans 1 mois, ben, ce sera grâce à cette personne que vous allez rencontrer la bonne personne, celle que vous attendez. Ça peut être aussi la preuve que... Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je vous dis tout, hein. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ce qui se passe en moi, dans moi, et rien à voir avec vous. J'ai des drôles de sentiments, en fait, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Bon, la journée fait commencer, donc on va voir. Mais, je sais pas. J'ai une drôle de sensation, en fait, en moi. Et c'est pour ça que... Ça me concerne, moi, évidemment. Hein. Moi, pas vous. Et c'est pour ça que j'arrive à mal à lire les cartes, en fait. À lire. Enfin, non, elles sont justes, hein, ce que je vous dis, c'est juste. Mais j'ai des ressentis intérieurs qui me perturbent, personnellement. Voilà, je ne sais pas. On verra. S'il se passe un truc, je vous le dirai demain. Mais bon, c'est bizarre. Ce que je ressens, c'est bizarre, vraiment. Voilà, ça m'arrive, mais pas spécialement quand je tire les cartes ou quand je fais un truc. Bon, voilà. Donc ici, voilà, oui, ben écoutez, là, une belle carte par rapport à l'amour, ben on va vous conforter dans vos sentiments amoureux. Maintenant, si vous êtes peut-être en plein divorce ou en pleine séparation, peut-être est-ce que ça vous dira, réfléchis, est-ce que tu dois vraiment te séparer de cette personne? Est-ce que peut-être oui, tu as peut-être donné beaucoup de chance, peut-être que c'était sa dernière, mais peut-être réfléchissons à certaines choses par rapport à notre couple. Peut-être que la personne vous a quitté, peut-être que la personne vous a laissé, hein, ça c'est pas d'aujourd'hui ça. Et cette carte va vous dire, ben, peut-être que la personne va revenir. Peut-être que vous n'avez pas envie qu'elle revienne, donc ça c'est vous, hein. C'est chacun son truc. Mais en tous les cas, ça parlera de mariage, d'association, éventuellement. Mais moi ici, je suis dans l'amour, donc mais sinon ça peut aussi parler d'une association par rapport au travail. Évidemment, mais ici, moi, je sens vraiment les cartes de l'amour. Donc oui, une association, une... Que du positif. Moi, je vois que du positif. Que du positif par rapport à votre couple ou par rapport à une situation qui va se régulariser, un mariage qui va être programmé, un mariage programmé, une mise en ménage, un Pax, etc., etc. En fait, que du positif pour ce qui est par rapport à l'amour. J'espère que cette carte vous aura parlé. J'espère que ces cartes vous auront parlé aussi, parce qu'en tous les cas, la bénédiction, peut-être que vous allez annoncer à vos parents que vous allez vous marier avec une personne que vous pensiez peut-être que ou vous mariez ou vous êtes avec quelqu'un, vous allez aujourd'hui l'annoncer ou décider de l'annoncer, hein. ça va être dans vos projets. Donc peut-être que, tout simplement, vous allez décider d'annoncer quelque chose à quelqu'un, et vous allez avoir la bénédiction de cette personne, parce qu'aujourd'hui, vous allez être protégé. Ou peut-être une protection aussi, une protection par rapport à l'amour. Ben oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être. Je ne sais pas. À vous de voir. En tous les cas, c'est très, 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 très positif, que ce soit par rapport à la vie active, professionnelle, etc., etc., et la vie amoureuse. Que du positif, que du bonheur. Pour cela dit, les amis, moi, je vous fais plein, plein, plein de bisous, et je vous dis à bientôt, peut-être à demain, on verra bien si je suis levée ou pas, ou je vous la fais tout à l'heure. Vous savez, maintenant, je ne sais pas comment je fais mes vidéos. Là, on est lundi, et je vous fais des bisous.